Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes prêts pour cette vidéo calendrier de l'Avent qu'on a, ma foi, il me semble jamais vu sur YouTube puisqu'il s'agit du deuxième calendrier de l'Avent de la boutique du coiffeur. Je vous ai beaucoup parlé durant toute cette année de mon calendrier de l'Avent de décembre 2020 de la boutique du coiffeur et c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis il faut que je fasse un unboxing avec vous, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire l'édition 2021. Mais je vous promets, j'ai préparé le calendrier de l'Avent de 2020 pour vous le montrer parce qu'il est encore sur le site actuellement en vente et vraiment, il vaut le détour. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Et je vous invite également tous à aller en barre d'infos, il y a des petits codes promo si jamais vous avez envie de tenter une box ou un calendrier de l'Avent, mais c'est surtout les box. Vous avez tout ce qu'il faut sur ma barre d'infos, vous avez des codes promo, des codes de parrainage et vous avez également tous mes liens si vous avez envie de me suivre sur mes autres réseaux sociaux ou m'envoyer un mail, que sais-je, n'importe quoi, ce que vous voulez quoi. Je pense vous avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Donc maintenant on se dirige tout de suite juste après le générique pour voir ce qu'il en est de ce nouveau calendrier de l'Avent de la boutique du coiffeur 2021. C'est parti. Bon, alors, comme je vous ai dit, on va pas parler tout de suite en profondeur du calendrier 2020, mais je vais quand même vous donner les prix. Il est en ce moment même à 64 €. Il ressemble à ça. La prochaine vidéo où je vous mettrai le calendrier de l'Avent de la boutique du coiffeur, je vous mettrai le vrai, enfin celui qui est à côté de moi, mais là, il y a plein de trucs dessus, donc je vais pas pouvoir le soulever. Mais voilà, il faut que je rassemble les produits qui me restent de la boutique du coiffeur de l'année dernière, enfin du calendrier. Donc, j'ai pas encore fait tout ça, mais voilà, c'est en prévision, sachez-le. Vous savez que je vous en avais déjà parlé. Voici le calendrier de l'Avent 2021, il est trop beau, il est 10 € de plus, plus cher, pardon, que le 2020 et il a une case en moins et sans mauvais jeu de mots. Alors est-ce qu'il y aura une surprise? Je ne pense pas, non, parce que dans le calendrier de l'Avent 2020 il y a 24 cases plus une surprise et franchement il vaut le détour, c'est pas parce qu'il est de l'année dernière qu'il est moins bien, franchement il est trop bien. Donc le calendrier de l'Avent de cette année le voici en format valise, comme si on prenait nos valises et qu'on se barrait vraiment au pôle Nord pour cet hiver, loin de tous les soucis, surtout la crise sanitaire que l'on suit depuis 2 ans maintenant presque. Il s'ouvre en deux, alors là ce sera pas des petites cases à unboxer de tiroirs comme le deuxième, comme le premier, là c'est plutôt des cases à décrocher, donc c'est pas un calendrier de l'Avent que vous allez garder. Il est très joli, il est franchement voilà. Alors dedans vous avez de tout, hein. Il y a des soins cheveux, hein, bien sûr, puisque c'est la boutique du coiffeur. Vous avez également des soins coiffants, des soins du corps et des accessoires. Il me semblait l'année dernière qu'il y avait du maquillage même, mais là j'en vois pas. On verra bien ce qu'ils appellent soins du corps, si c'est vraiment que soins du corps, du skincare, ou alors si y a un peu de maquillage, mais là j'ai pas l'impression. Bon, le petit truc sympa, c'est que dans ce calendrier-là, un peu comme l'année dernière, il y a un golden ticket, il me semble. Alors, ils appellent ça golden passport. Il y en a 10 de cachés dans le calendrier. Vous avez un produit de GHD, donc celle-ci, voilà, c'est cette marque-là. Très bonne marque pour cheveux. Moi je l'ai eu d'ailleurs celui-là l'année dernière dans la boutique du coiffeur, donc vous voyez le format, hein, c'est un 120 ml et j'en ai encore. Ça c'est un produit à mettre avant la chauffe des cheveux, lisseur ou sèche-cheveux. Et donc vous avez un produit, si vous avez le Golden Ticket de GHD, donc soit un lisseur, soit un sèche-cheveux justement, ou alors les deux. Je ne sais pas du tout, parce que c'est écrit trop petit, je vois pas. Je suis désolée, vous savez que j'ai des problèmes de vision et que je n'ai pas mes lunettes en ce moment. Voilà, il faut que je les fasse refaire. Il n'y a pas le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on va unboxer ensemble ce calendrier de l'Avent avec 24 produits. Trop contente, je pense que c'est un des calendriers pour lesquels je vais craquer comme d'habitude parce qu'il est trop beau. Si le calendrier de l'Avent de l'année dernière, je ne l'avais pas déjà eu, j'aurais pris celui de l'année dernière, mais bon. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la boutique du coiffeur, ils font aussi le calendrier de Peggy Sage. Donc il y a celui de l'année dernière, mais il y a également celui de cette année, le nouveau. Donc je ne voulais pas les designs, hein. Peut-être qu'on unboxera, pardon, ça lors d'une vidéo. Allez, on démarre avec l'unboxing de ce calendrier de l'Avent. La première case nous cache le produit Eleven Australia 3 Minute Repair Soin 50 ml. Donc c'est un soin pour les cheveux, hein. Comme je vous ai dit, vous avez du soin capillaire.
Il répare la chevelure abîmée en 3 minutes chrono, donc ça c'est top, c'est ce qu'il me faudrait moi justement en ce moment. Les ingrédients, beurre de karité, protéines de blé, actifs connus pour leur vertu hydratante. Et bah écoutez, très très bien, il est vendu normalement au prix de 19,90€. Pas donné hein. Dans la deuxième case, vous allez retrouver un après-shampoing de la marque Les Secrets de Loli en 100 ml Pink Paradise. Découverte totale, c'est peut-être une marque qu'on trouve souvent, je pense, dans les boutiques de la boutique du coiffeur. Mais moi, j'achète souvent en ligne. Alors, Pink Paradise, le packaging est très 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 joli. Il est vendu à 12,90€ normalement. 150 ml, le format full size. Et nous, on aura certainement le 100 ml, le format voyage, très certainement. Voilà. C'est un shampoing nourrissant pour cheveux bouclés à crépus. Alors, moi, ce que j'aime bien dire pour ce genre de produits-là qui sont spécialisés pour cheveux crépus et bouclés, si vous avez les cheveux secs à très secs, comme moi en ce moment après ma décolo, après mon foirage de décoloration, je pense que c'est un produit qui peut convenir parfaitement. J'utilise moi régulièrement les Garnier au karité et à l'avocat. Et ils sont parfaits pour les cheveux, justement, ils sont faits pour les cheveux crépus et bouclés. Et ça, on les a en vente en supermarché. Mais ce genre de produit-là, si vous avez, comme moi, les cheveux secs à très secs, même s'ils ne sont pas bouclés, ni frisés, ni crépus, je pense qu'ils sont très bien pour vous. Puis d'une manière générale, c'est un shampoing nourrissant. Donc, on prend, on est content, on dit merci et on sourit. Qui dit après shampoing, bien sûr, je pense qu'on va trouver des shampoings. Logique, hein. Dans la troisième case, on va retrouver justement, on en parlait, un shampoing de la marque Schwarzkopf. Bien sûr, ça c'est hyper connu et Schwarzkopf est très répandu dans la boutique du coiffeur. Ça, vous pouvez énormément trouver de cette marque-là. Enfin, de toute façon, ouais, il y a des marques qui reviennent vraiment beaucoup, beaucoup. Comme je vais enlever les notifications peut-être. Comme Schwarzkopf, comme Kerasoin, c'est vraiment des très bonnes marques que l'on peut trouver dans la boutique du coiffeur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir, c'est vraiment tip top et les produits sont vraiment variés. Donc comme je vous disais, on va avoir un shampoing Schwarzkopf de la gamme Bonacure, Hyaluronic Moisture Kick Shampoo. On va l'avoir en format travel size de 50 ml, mais sachez que le format full size est de 250 ml. Apporte et préserve une hydratation à l'intérieur du cheveu. On nous dit pour ce shampoing-là qu'il apporte et qu'il préserve l'hydratation à l'intérieur des cheveux. Bon, tip top. Alors, vous voyez que c'est pas du tout la même marque que l'après-shampoing qu'on a eu juste avant. Donc, on peut espérer avoir deux après-shampoings et deux shampoings. Tip top, ça va être chouette. Dans la quatrième case, c'est un soin Schwarzkopf, toujours pareil, dans la même gamme Bonacure. Et là, c'est un masque capillaire Peptide Repair Rescue 130 ml. Le shampoing est vendu à environ 8,50€. Et là, ce masque, il est vendu à 3,98€ environ, hein, selon les endroits où il est vendu. Donc nous, on va avoir le 30 ml, pardon, ce qui est déjà pas mal pour tester le produit. Alors, je vous dis dans telle case, dans telle case, dans telle case, mais vous connaissez hein, le principe avec moi. Les cases que je vous donne ne correspondent pas aux cases que vous allez trouver. Hein. C'est mélangé, moi je le dis par ordre, parce que là vous voyez bien qu'on est que dans le soin cheveux. Dans la cinquième case, nous allons retrouver un produit de la gamme Revlon, de la gamme Equave ou Equave. Et c'est un démêlant hein, en 50 ml. Alors Equave, c'est une marque qu'on a déjà trouvée dans un calendrier de l'Avent ou dans une box. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ça me parle. Bon, peut-être dans une box. Et c'est un très très bon, très très bon produit, vous m'avez dit. Donc c'est un travel size. Hein. Parce que là, je vois que le format full size, c'est un 200 ml. Très beau packaging. Quand on a les cheveux secs, crépus, bouclés ou autres, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les cheveux qui s'en mêlent très très vite. Et c'est vraiment très désagréable. Et en plus, ça les casse. Alors, c'est un soin démêlant instantané sans rinçage. On nous dit que la formule Equahydro Nutritive Detangling Conditioner Revlon a une formule biphase qui hydrate instantanément les cheveux colorés et ou secs en les laissant brillants et soyeux. Et c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ouh, je vais peut-être me prendre ce calendrier de l'avant. Oui, non, mais de toute façon, oui. Ouais. Faire plaisir un petit peu de temps en temps, quoi. Zut. Nous allons retrouver dans la 16e case un lait pour les cheveux 10 en 1 de la marque L'Oréal et c'est Vitamino Color en combien d'ml? En 45 ml. Alors là on a beaucoup de produits pour les cheveux colorés, mais c'est pas parce que vous n'avez pas les cheveux colorés que vous ne pourrez pas vous en servir, notamment comme je vous l'ai dit que depuis le début, si vous avez les cheveux secs archi secs,
Bouclés, frisés ou même normaux, vous pouvez très bien les utiliser, ça n'empêche rien du tout, ce sera que du plus. Donc voyons ce format, ouah, il est trop beau ce packaging, mais regardez-moi cette beauté. Je vous dis, hein, c'est vraiment des produits, mais topissime. Il est vendu à 13,30€, c'est vrai que 13,30€, 17,30€, c'est vrai que je vous ai pas donné les prix des autres. Tant pis, j'ai oublié. Donc 17,30€ pour le 190ml. Sachez que nous, on a 45ml, et ben ce sera déjà pas mal. Franchement, ça donne envie, hein. Les sans rinçage, cheveux colorés et méchés. Donc toujours pareil, moi avec les lips capillaires, j'ai un petit peu de mal. Je crois que j'ai jamais utilisé. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre pour moi, mais vous m'en avez dit que du bien. Pas forcément de celui-là parce que voilà, il n'est pas apparu dans une box. Mais quand je vous en avais parlé sur une vidéo, vous m'avez dit non, c'est top, c'est top. Donc bah, j'essaierai quoi. Dans la 7e case, on a un produit de la marque Wella. Et c'est quoi? C'est un masque encore une fois. C'est de la gamme Fusion en 30ml. Et le packaging, mais il est trop beau aussi. C'est que des beaux packaging. Franchement, ça donne vraiment envie. J'ai vraiment hâte. C'est rare qu'un calendrier comme ça me donne vraiment envie. Et je suis vraiment impatiente. On nous dit que c'est un masque réparation intense. Wella Core Fusion aide instantanément à protéger contre la casse due au coiffage et aux dommages extérieurs. Bah écoutez, il sera le bienvenu. Parce que là, franchement, avec ce que j'ai fait... avec une nouvelle décoloration que j'ai voulu tester de chez Amazon. Franchement, pourri, dégueulasse. Je vous mettrai ça en post communautaire et sur Instagram. Faut vraiment pas l'acheter. Dans la 8e case, c'est encore un produit de chez Wella. Et là, c'est Invigo Shampoing Volume Boost 50ml. Alors, je sais, vous allez dire pour certaines, oh, ça fait beaucoup de shampoing. Il va y avoir après les après-shampoings, pardon. Alors, pas forcément, déjà. Il n'y a pas forcément toujours les après-shampoings. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de shampoing. Mais il faut savoir que ce sont des 50ml. Donc, ça fait pas beaucoup, si vous voulez. C'est vraiment des petits formats. Et ça peut vous permettre, vous, de connaître d'autres produits, enfin, plusieurs produits de la boutique du coiffeur. Et sachez, comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas que les magasins. Donc, si vous n'avez pas de site physique sur place, vous pouvez très bien commander sur le site et vous verrez qu'il y a plein de choses. Les livraisons sont toujours honorées en temps et en heure. J'ai vraiment jamais eu de soucis avec et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette boutique il y a quelques années. On aura un 50ml, c'est déjà pas mal. Alors moi, en ce qui concerne le volume, non, ça va, ça ira. Trop de volume, tout le volume, hein. Jackson 5, c'est bon. Mais ouais, pourquoi pas, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas de volume et qui s'en plaignent. 9e case, c'est un shampoing de la marque Kerasoin. Et c'est un shampoing sec. Alors ça, c'est vraiment pour dépanner. Je suis pas super fan, mais je suis pas contre non plus. J'ai déjà utilisé les shampoings secs. C'est vraiment pour dépanner quand on voit au petit matin qu'on doit partir, mais qu'on a les cheveux gras, les racines surtout. Vous appliquez ça sur les racines, c'est nickel. En attendant le shampoing d'après, dans la journée, dans la soirée. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal. Donc en 50ml, très bien pour tester. Je connais ceux de Baptiste qui sont pas mal. Et l'année dernière, il me semble pas qu'on ait reçu. Quoique si, peut-être. On avait peut-être reçu un shampoing sec, je sais plus. Voilà, donc très bien. Très bien. Vous voyez le visuel. Ok. Dans la 10e case, on va recevoir un produit de la marque Eugène Perma, pardon, Essentiel Kératine. Masque 50ml, c'est une marque qu'on connaît assez bien, très beau packaging. J'arrêterai pas de vous le dire, mais franchement, les packagings sont beaux, hein. Donc là, on a un masque qui est vendu en format full size de 150ml à 17,50€ quand même. Réparation pour les cheveux fragilisés. Ouais, ben cool, nickel. Et le dernier produit soin capillaire qu'on va recevoir, c'est de la marque, je sais pas si vous connaissez, mais enfin moi je connais justement par le biais de la boutique du coiffeur, Myriam K. Et c'est une très bonne marque également qui fait des produits assez atypiques, je trouve, personnellement, de temps en temps. Et là, c'est un shampoing en 30ml, la soif de l'or. Et l'année dernière, j'avais reçu je vous montrerai sur l'autre calendrier. J'avais reçu un produit de chez elle que j'ai encore. Je ne l'utilise pas tout le temps, rarement même, et j'ai tort, je devrais l'utiliser plus souvent. C'est des produits qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Mais qui sont bien, qui sont excellents, parce qu'il faut savoir que c'est quand même de bons produits tout ça. Hein. Donc là, on a un spray biphasé soif de l'or immortel blonde 18 carats Myriam K, vendu à 13,50€ les formats full size. J'arrive pas à vous parler parce que j'ai mon chien qui rêve et qui aboie. Donc j'arrive à me concentrer sur la vidéo. Maintenant, au niveau des produits coiffants, eh bien, dans la 11e case, on va retrouver un produit de la marque GHD
un Drama Ending Sérum Lissant en 30 ml. GHD Dramatic Ending Sérum Lissant de Finition pour une routine capillaire sublimée. Découvrez le Sérum Lissant de Finition Dramatic Ending. Ça ressemble un petit peu à ça, hein. C'est toujours pareil. Hein. On est sur les mêmes... à peu près les mêmes visuels. Dans la 12e case, vous allez retrouver cette laque-là. Elle est en 75 ml. C'est de la marque Eugène Perma. Voilà. Alors, ne jugez pas mes ongles noirs et mes mains noires. C'est la coloration. C'est pas de la crasse. Donc, vous allez avoir cette laque-là de Eugène Perma. Je vais y arriver. Collection Nature Laque Forte à la caméline. Voilà, alors écoutez, j'étais moi quand je l'ai reçu un peu dubitatif parce que ça faisait des années que je ne mettais pas de laque, jamais, depuis mon adolescence. Quoi, voilà, plus on vieillit, moins on met de gel, de laque, des choses comme ça. Et j'ai quand même tenté le coup pour voir des fois, pour discipliner un petit peu mes mèches, surtout quand j'avais les cheveux longs, quoi. Et ben franchement, alors il y a écrit laque forte, mais les cheveux ne sont pas secs, ils ne sont pas raides comme ça, non, ça n'a vraiment rien à voir avec les laques qu'on avait avant. Et. Bon, il n'y en a plus, je crois. Bon, il n'y en a plus, mais l'odeur, elle est juste topissime. Et franchement, pour discipliner, pour dompter un petit peu vos cheveux, elle est vraiment pas mal. Donc, n'ayez crainte, quoi. Ça ne va pas faire effet carton. Dans la case suivante, vous allez recevoir un produit de chez L'Oréal. Technicart Fix Design en 45 ml. Et alors ça, c'est un spray de fixation. Alors, c'est pas une laque. Pas pareil, spray fixant directionnel Fix Design Technique Art professionnel permet une fixation forte sans aucun résidu visible avec une finition naturelle et brillante. Au top. De toute façon, voilà, hein, maintenant on le sait, de nos jours, les produits soins comme ça ou fixants, coiffants, c'est plus ce qu'on avait avant. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Alors, je crois qu'on en est à la 14e case et on passe aux soins du corps. Et on va avoir un produit de la marque Freeman, Neon Vibes. Masque visage en 10 ml. D'accord, donc c'est un masque à l'argile. Donc vous avez plusieurs masques. Hein. Il n'y a pas le nom, l'intitulé du masque précis. Donc ce sera peut-être aléatoire, je ne sais pas. Donc je vous en prends un au hasard. Masque à l'argile blanche pour visage et cou. Apaisant, nettoyant, universal. Ils disent que c'est que pour les femmes. Ouais, si vous êtes un gars et que vous avez envie de vous prendre ce calendrier, vous le prenez quoi. De l'argile, c'est de l'argile. Hein. Pour tous les types de peau fabriqués aux USA, 10 ml. Voilà. Je suis pas du genre à dire il n'y a pas de différence entre les genres. Si, bien sûr qu'il y en a une, la nature l'a faite, on va pas l'inventer. Mais, voilà. Après, il y a des choses... T'es un gars et que t'as envie de te prendre ce calendrier, bah, tu te le prends et puis c'est tout. Bon, là, avec le produit que je vais vous présenter, c'est sûr si t'es un gars... Quoique. Ouais, j'allais dire, si t'es un gars, t'en auras pas l'utilité. Mais si tu te maquilles, oui. Mais je veux dire, sinon, si t'es une nénette, elle sera très contente d'avoir ce produit puisque c'est une palette. Donc là, on part sur une palette de maquillage Révolution. Je n'ai pas le modèle précis de la palette. Donc, je vous en mets une au hasard. Hein, mais voilà, sachez qu'on va avoir une palette Révolution. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y avait du maquillage, mais je ne suis pas sûre. Eh ben oui, on va la voir. La palette, ce sera certainement dans la dernière case. Ensuite, dans la case suivante, on a un contour pour les yeux de la marque Maille. En case suivante, on va avoir une bougie de massage. Ok, bougie de massage. Ah oui, non, on se passe pas avec... Oh putain, mais je bug, moi, là. C'est la colo qui fait ça. C'est imprégné dans les raffines. C'est allé un peu plus loin que les raffines. C'est allé jusqu'au cerveau. Oui, parce que du coup, là, bah, je suis plus toute blonde. Je suis comme un kinder. Je suis brune à l'extérieur, mais je suis blonde à l'intérieur. Comme un œuf kinder. Ok, donc là, on a un produit... donc une bougie de massage de 100 grammes, beau format. Ensuite, la case suivante, toujours de la gamme ou de la marque. Je suis sûre quand je vais monter cette vidéo, je me suis dit, putain, mais t'es con, regarde, c'est ça. Je vais me prendre la honte, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour rigoler. Donc, crème pour le visage de 50 ml. Je sais pas encore à l'heure où je vous parle ce que c'est, parce que j'arrive pas à trouver les produits. Case suivante, je sais plus du tout dans quelle case on est. Je suis perturbée entre le déroulement des cases et les produits MY, je sais pas. Donc la case suivante, c'est une crème main de la marque, oui, Sotex, c'est bien ça, j'avais un doute. Sotex, c'est celle-ci, c'est exactement celle que j'ai eue l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Et j'en ai encore, voilà, il y a encore ça, je suis en train d'en finir, elles sont trop bon. Donc moi, la mienne, elle est au karité.
Je vais voir si c'est la même. Oui, c'est exactement la même. Voilà, c'est exactement la même que vous allez avoir. Donc, très très bien. Elle sent, mais trop bon. J'ai tardé pour l'utiliser le plus possible parce que bah, déjà j'avais d'autres crèmes de main. Mais parce que en plus, voilà, c'était un beau format. Hein. Là, on est en 75 ml quand même. Très bien. Dans la case suivante, c'est encore un produit de la marque Sotex. Et là, c'est un. Alors, c'est plus rare qu'on reçoit ce genre de produit-là. Mais c'est un soin pour les sourcils. C'est trop bien. En 8 ml. Donc en fait, c'est une sorte de gel quoi que vous allez appliquer, pas pour dresser vos sourcils, mais pour les nourrir peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a fini les soins, tout ça. On va parler des accessoires. Il reste 3 cases. Et on va recevoir de la marque Kiss des fossiles. Je crois que j'en ai. Bon, je trouve pas ma boîte à fossiles. Vous savez quoi? Je ne sais même pas où je l'ai foutu. Bon, c'est pas grave. De la marque Kiss, vous allez recevoir des fossiles. Ils sont plutôt pas mal, assez faciles à utiliser. Bon, moi, je porte pas souvent des fossiles. C'est très rare. J'ai dû en porter 2 ou 3 fois cette année. Et pour les vidéos, je suis sortie une fois avec, je les ai enlevés, ça me gonfle. Mais voilà, ouais, pour les vidéos, c'est pas mal, quoi. Après, il faut vraiment que ça reste discret si on veut sortir avec. Hein. Moi, j'ai encore un peu de mal avec ça. Ensuite, on a un pinceau pour les paupières de la marque Kerasoin. Bon, très bien. Ça, c'est pour la case suivante, évidemment. Très, très bien. Ok. Un pinceau paupières. Alors, j'ai pas de précision. Est-ce qu'il sera fluff ou pas fluff? Ah, il a l'air d'être fluff quand même. Il a l'air d'être fluffy quand même. Donc, très, très bien. Ok. On prend. On est content. On adore. Et la dernière case, c'est encore un produit de chez Kerasoin. Alors, je vous dis dernière case, mais vous le savez, c'est pas forcément la dernière case. C'est une barrette avec... soit des perles, soit des strass. On ne voit pas très bien. On ne voit pas très très bien. Ok, très très bien. Alors c'est vrai que l'année dernière, on a reçu aussi des barrettes. Bon, elles n'ont pas tenu très longtemps. Les perles qui étaient sur la barrette en amélo, c'était en fait du métal. Elles étaient grandes, hein, 3 je crois qu'on en a reçu. Et dessus, il y avait une plaquette de perles dessus. C'était vraiment très joli, très raffiné. Ah, il a cassé la manette, lui. Mais elles n'ont pas tenu très très longtemps. Dommage. Voilà ce qu'il en était pour ce calendrier de l'Avent. Bah écoutez, vous avez vu, c'est quand même assez varié. Alors, il y a beaucoup de shampoings, beaucoup d'après-shampoings, de masques capillaires. On est sur un calendrier de l'Avent de la boutique du coiffeur. Hein, ne l'oublions pas, pas de l'épilation. Voilà. Donc, bah écoutez, il y a quand même de tout. C'est vraiment, il y a des soins vraiment très variés et des marques très variées et très très bonnes, excellentes. Mon regret, c'est qu'il n'y ait pas de 25e case avec une petite surprise. On avait eu un joli petit bijou. J'étais tentée de vous le montrer là, mais non, je vous le montrerai si je fais la vidéo, non mais je vais la faire de toute façon la vidéo de la boutique du coiffeur en rassemblant le max de produits possibles. Évidemment, il n'y aura pas tout. En ce qui concerne celui-là de calendrier, moi je suis plutôt positive, j'aime bien, j'aime beaucoup. De toute façon, tout ce qui touche au capillaire, j'aime beaucoup en général. Et voilà quoi, j'aimerais bien, il va venir à la maison, il sera certainement derrière, peut-être au-dessus de celui-là quoi, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire quel produit vous avez préféré ou au contraire celui que vous aimez le moins. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!